Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview. Jeudi, nous avons l'honneur pour nous recevoir un invité spécial pour un sujet vraiment spécial et parce qu'il intéresse toute population, toute société. C'est député Jerry Tardieu. Je m'en dis Dieu, il n'y a pas de là-dedans. Pas de problème. C'est président, député circonscription Pétionville, la CAI Pacifique, c'est là nous y sommes. Président commission spéciale qui a travaillé sur causer amendement constitution. C'est ça que je me dis, c'est un sujet spécial qui m'a donné pile attention et nous va regarder pendant 15 minutes nous gagne pas d'émission ça travail qui est déjà fait ça qui était pour fait et comment la pas avancer qui compréhension qui engouement qui gens secteur répondre pour fois ça nous va gagne une constitution qui a amendé mais qui a moins controversé que ça qui fait dernièrement. Merci pour disponibilité au débuter à émission interview et plaisir assez pour moi lié et dans Pacifique il y a quelques jours dans là même pas de refuser invitation côté FM pour me passer dans l'interview puisque me pensais que recevoir un pile personnalité qui parlait sur plusieurs thèmes même parce que thème ça son thème bien important c'est pour ça me content pour venir là pour me parler de travail commission spéciale sur amendement constitution que m'a dirigé. Nous rencontrer la presse, nous rencontrer avec association des journalistes haïtiens, secrétaire général H. Jacques Desosier, on connaît un monde que nous bien habitué avec ici. C'est ça. Nous rencontrer sur les journalistes avec Guilherme Cedelva, nous rencontrer avec association nationale des médias haïtiens, nous rencontrer avec un pile secteur. Il y a des rencontres qui sont médiatisées, il y a des rencontres qui ne sont pas médiatisées. Ça veut dire que nous n'avons pas toujours fait bruit avec tout le monde nous rencontrer, mais chaque jour, la commission rencontre une personnalité, un groupe, un secteur. Il y a des fois, toute commission va ensemble, nous partageons tâches là. Il y a 9 membres dans la commission. Nous tous connaissons qui est ce membre. Moi-même, Jerry Tardieu, serviteur, c'est président de la commission. Ensuite, nous avons comme vice-président député Louis-Marie Baudhomme, député Ansa Foller. Nous avons secrétaire rapporteur de la commission, c'est député Ronald Etienne. Ensuite, nous avons Jacob Latortue, nous avons Raymond Rival. Nous avons Myriam Amilcar, nous avons Price Cyprien et nous avons Jacques-Michel Saint-Louis, qui est vice-président de la Chambre des députés. C'est 9 commissaires qui font partie de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution et qui partagent la tâche pour rencontrer différents secteurs. Côté nous, aujourd'hui à Robinson. J'en saute dit là, 29 mars 2017, nous avons lancé officiellement l'activité commission. Premier ça que nous avons fait, nous avons travaillé sur un rapport. Nous faisons un travail d'évaluation de la Constitution 1987 là, dans sa version amendée. Et nous produisons un rapport que nous validons par l'Assemblée des députés qui relaie Constitution de 1987, lacunes, failles et contradictions. Qui s'allie? C'est un document qui n'est pas capable de lister tout ça nous comme anomalie, comme problème, comme carence qui gagne dans la Constitution. Nous remettons le document ça à tout secteur pour faciliter secteur pour analyser la constitution et pour faire proposition. Là nous fini à premier rapport ça nous commencer ça nous relier la phase de la consultation, la phase du dialogue. C'est ça que fait que nous rencontrer avec un pile secteur, nous remercier Télé Pacifique qui est toujours présent parce que nous gagnons un processus transparent. Toute rencontre nous à moins que secteur mandé que pour Kimbil confidentiel est toujours ouvert à la presse. Nous rencontrer secteur privé, nous rencontrer chambre de commerce, nous rencontrer secteur vaudou, nous rencontrer droit de l'homme, nous rencontrer magistrat, nous rencontrer merveilleux, nous rencontrons quasiment tout secteur qui ont bagarre dans la question politique, la question sociale, la question économique, la question PIA tout court. Donc, consultation a continué. Nous gagnons pour nous rencontrer d'autres secteurs. Hier, nous avons rencontré avec parti politique représenté au Parlement, son premier rencontre. Il y a l'autre parti politique que nous avons rencontré. Alors, Robinson, sans bras, nous capable de nous. Naturellement, comme président de la commission, moi toujours font effort pour que, à ce stade, nous tellement capable de partager en public. Ça nous recevoir comme feedback et information du secteur, simplement par souci d'éthique. Parce que nous sommes en phase justement pour nous recueillir position différents secteurs et nous pouvons faire ça nous un rapport d'étape. Dans le rapport d'étape, là, nous pouvons présenter la nation, dans la virée que nous faisons, dans la tournée nationale et internationale, mais ça nous pense que le pays a besoin, d'après ça, nous dit. Mais nous sommes capables de faire quelques confidences. Effectivement, même si parti politique, secteur privé, secteur paysan, t'as capable du secteur syndical, c'est toute qualité de secteur ça a des intérêts divergents, mais en pile dans secteur ça a retrouvé son série de bagages que tout d'accord font rien si n'a pas amendement sérieux. On se parler de une décharge, on va qu'un secteur nous rencontrer qui pas attirer attention nous sous problème que décharge a fondé une solution pour lui. Double nationalité, question pour nous intégrer haïtien qui vivent dehors pour capable voter normalement. En pile monde bataille pour ça. Et au dit personnellement, moi-même, c'était un engagement que je prends avec compatriotes qui ont vécu l'autre bord de l'eau pour me faire tout ça capable pour intégrer au plus. Ils ont déjà rencontré autour. Ah oui, nous rencontrons. Alors, comme je dis, la diaspora nous est énorme.
nous à Paris, nous à Bruxelles, nous en Angleterre, nous New York, nous Miami, nous Montréal. Nous tout côté dans pays, connait nous plus en Amérique du Sud, nous au Chili, nous au Brésil. Est-ce que l'on pas fait des choix à côté nous connait gagne en quantité plus, d'accord, en Floride, Brésil, Chili avec. Par exemple, nous commencer New York. New York son côté traditionnellement qui gagne un pile haïtien, nous te font rencontre à l'université de New York à Manhattan de la faculté de droit, côté nous te rencontré plusieurs, m'ta capable dire leaders communautaires qui étaient venus de New Jersey, de Connecticut, de Boston, donc son premier rencontre que nous fait. Donc notre deuxième rencontre que nous pral préparer à Miami, nous avons parlé avec un pile et leader dans Miami, des fois des leaders de la presse, on monte quoi Alex Saint-Suré, que nous rendons hommage public puisque on est très impliqué dans aider nous organiser un gros roumblé avec nous capable dire tout leader, toute association, toute organisation représentative de diaspora qui vivre en Floride là, ça est prochaine étape nous. Nous avons dans ce domaine. Nous t'en remet à Bahamas, nous avons un problème budget, nous capable arriver au Chili et nous capable dire nous capable arriver peut-être au Brésil. Cependant nous même nous t'en remet ouvert on communication avec leader puisque communauté nous commencé organiser là gars des côtés même si nous pas arrivé nous toujours joindre moyen pour nous recueillir position communauté ça dans question amendement constitution donc n'a très très bien avancé et moi estimer que gagne l'autre thème encore parce que mon yo parler de en pile sur question cartel mairie nous remarquer en pile monde fait nous voir que trois magistrats dans tête mairie qu'on pas problème après quelques temps goumen discussion et puis qu'est-ce qui peut prier. C'est mon qui t'a voté parce que leur mairie qui bloqué. C'est-à-dire population qui pas fait de service. Il y a encore l'autre thème nomination des juges, même le processus d'amendement de la constitution. Son bagage qui concernait en pile citoyen et il parlait de ça en pile. Et alors naturellement il y a des thèmes qui c'est des thèmes quotidiens qui pas problématiques mais qui fait m'ta capable dire il y a un petit affrontement toujours fait par exemple avec parti politique. Nous connaît par exemple question de la langue. Il y a des gens qui pensaient que Haïti faut une seule langue officielle qui est le créole que tout le monde parle. Et il y a des gens qui disent non, il n'y a pas gagner une seule langue, il faut gagner deux langues tenant compte de l'histoire de ce pays et tenant compte aussi de l'ouverture qui est nécessaire par rapport à un monde globalisé côté que il y a un monde pas doit essayer parler une seule langue, pardon, un monde pas doit essayer parler une seule langue ou tu dois essayer parler plus que deux langues même, c'est pas français à créole. Et ça me demande aussi pas nécessité de mon troisième bon, anglais, moi je passer par quatre chemins. Anglais, espagnol, c'est graphiquement parler espagnol là très important. De pour maîtriser langue ça yo ou publier intégrer dans le village global mondial et ou ba tête ou même comme jeune garçon mais jeune femme qui apporter dans la vie à plus chance tout pour tout. Donc tout ça yo Robinson, c'est des thèmes et qui te fait des discussions mais ça qui te frappe et ça qui fait me plaisir. Je toujours dit Haïti son pays grand, moi même personnellement toujours dénoncer que bon méfiance entre nous les Haïtiens, mais expérience que n'a fait dans commission spéciale ça a montré nous que nous cachita pour nous parler. M'a regardé avec qui civilité, avec des fois même qui amitié, des monde qui dans des partis politiques opposés, des monde qui dans des positions diamétralement même capable de opposer et pour regarder ouais, yo discuter, yo pas d'accord mais dans la bonne humeur et dans le respect mutuel. Et souvent même après discussion qu'on ouais position vient presque rejoindre. Ça veut dire que Haïti son pays qui besoin poser, Haïti son pays besoin dialogue et nous même dans commission spéciale amendement constitution et dans chambre des députés, nous content que société a fait nous confiance, nous content j'ai travaillé à avancer et nous espérer que tout l'autre secteur que nous pouvons rencontrer a répondre positivement à rencontrer nous pour permettre nous que d'ici le 29 mars 2018 nous bail pays a un rapport qui gagne dans figure. Alors là, on touche un point important, Robinson. Son point qui était débattu hier dans la réunion des faire parti politique. Autant que je me rappelle, mon ex fin grand monde, nous pas changer nous. C'est docteur Emmanuel Cantave, vous quoi représenter parti ensemble nous fort et qui fait partie de APLA qui gagne deux représentants dans la chambre des députés, y compris le député Raymond Rival et n'est-ce pas et le député Gerda Benjamin, député Savanek que tout le monde connaît. Eh bien, représentant parti ça a été fait valoir que ils font différence entre amendement et réforme constitutionnelle. Et en pile moun grand savé dans question constitution et yo d'accord effectivement que gon courant pensé qui dit pour yo amendement son petit moyen tout petit son petit trois étages c'est mettez point virgule après virgule donc c'est pas un gros moyen un gros passé main dans constitution et il y a des moun qui dit que c'est mon réforme là pour utiliser là on va parler vraiment d'une révision constitutionnelle poussée nous même dans commission nous pas d'accord. Expert que nous mandé accompagner nous c'est professeur Claude Moïse constitutionnaliste et historien qui fait nous valoir que ce soit réforme que ce soit révision que ce soit amendement pas aucune différence c'est moyen ou moyen constitution et on a moyen dans tout col donc nous même au niveau de la commission spéciale sur la réforme de la constitution n'a font
amendement constitutionnel, nous utilisons le mot amendement pour qui ça Robinson, c'est parce que c'est lié utilisé en la constitution. Okay. Mais si moi-même ton constituant en 1987, je ne vais pas utiliser le mot amendement parce que son anglicisme lié, son mot que nous prêté par langue anglais, langue blanche, amending. Donc nous faisons traduction littérale amendement, tandis que le mot devrait être réforme. Nous utilisons amendement, sauf que nous-mêmes nous décidons tout ça pour moi et moi, et m'a dit Robinson. Et m'a dit peut-être tout téléspectateur qui a pris l'interview. Ou gen amande une constitution tellement bien et dans tout col que finalement produit final là, li vin yon l'autre constitution. Ou gen même changer régime politique. Yon constitution à travers l'amendement seulement dépendant qui gen ou al mayen différents articles. Et bon bagaille pour nous dire qui très important pour un pile monde qui pensait même peut-être que son nouvelle constitution pour nous gagner. N'a dit que constitution a tracé la voie sur comment pour avancer pour nous capable amender constitution. Si n'a pas de nouvelle constitution, son l'autre dimension. Et pour ta nouvelle constitution, faut une nouvelle constituante. Pour ta nouvelle constituante, faut toute société à d'accord, son société apaisée qui t'a d'accord sur ça. Et nous connaissons qui est sa fête, si le, par exemple ou soutenant la guerre ou bien soutenant une grande période de dictature. Pour le moment, conjoncture politique, sociale et économique pas prêté pour monde d'a dit nous t'avons aller vers une nouvelle constitution. Cependant, si nous estimons que fondement elle dans sa globalité, nous devons mener constitution amender de façon d'aller tellement profonde mais sérieuse que nous font nouvelle constitution mais nous besoin yon maman loi pays qui marie avec réalité jodia qui pas aussi n'ta capable dire coûter nous cher que ça parce que son d'autres bagaille que en pile monde pas garder nous garder aspect économique là en 1905 par exemple professeur Eddy Labossière économiste président de l'association haïtienne des économistes que nous consultons dans le cadre et rencontre que nous faisons avec société civile là l'étape fait nous valoir le fait que en 1987 le secteur privé haïtien a des mêmes positions la position que vous avez rencontré nous t'ai choisi une constitution nous t'ai choisi un modèle en fonction de nos prévisions économiques nous t'ai dit que nous t'a fait mais ça a été un engouement, des soldats du Valier, nous allons entrer dans la modernité, etc. Nous avons changé l'époque ça. Nous sommes en 1987, à la fin des années 80. Nous avons prévu que nous avons gagné des chiffres de croissance, disons des chiffres de croissance, une croissance à deux chiffres. Ça veut dire que nous avons dépensé 10, 11, 12% et que nous avons généré les moyens pour nous capables de gagner une constitution, même si le coûte une chaîne, mais un moyen. Parce que la constitution, ça a été compliqué. Nous avons gagné une décentralisation du pouvoir qui allait jusqu'au Kazakh et au Azek. Mais je dis à Robinson, l'on paye un Azek pour finir le chèque. Il n'y a pas un bureau pour le chita. Il n'y a pas un moto pour la loi mandat. Il n'y a pas rien en mail pour le faire développement. Il n'y a pas rien en mail même pour le réunir. Donc ça veut dire que nous faisons constitution. Nous mettons des mécanismes, nous mettons des institutions, nous prévoyons des postes, nous prévoyons des autorités, mais nous n'avons pas les moyens pour fonctionner. Tout le bagage, ça, Robinson, oblige nous-mêmes dans la commission spéciale sur amendement de la constitution. Pour nous regarder de plus près, parce que constitution pour nous bailler pays, c'est une constitution qui pour mesipier nous. Ça veut dire que mesipier nous, mesi l'argent, mesi on l'a. Prochaine date butoir que nous gagnons, c'est le 31 décembre 2017. C'est date ça que nous baillons tout secteur pour nous voir bah nous position à l'écrit sur question amendement constitution. Et même si un secteur qui pas mégarde, nous pas ta, disons, contacter. Par exemple, Yannick Mézil, président PHTK, qui a participé à la réunion politique, il a fait nous valoir que nous avons parlé avec l'association des petites et moyennes entreprises. Nous-mêmes, nous avons parlé avec un pile association justement de petits business qui est lié à la chambre de commerce, mais association ça, nous avons parlé. Donc, même si un secteur, une association qui a un bagage dans la vie, mais que la commission n'a pas contacté, porte la louvre. Il a été écrit nous, il a été jusqu'au 31 décembre 2017 pour nous recevoir. Comment il y aurait question amendement constitution. Ensuite, on nous a dit que dans les semaines qui vont suivre la rentrée parlementaire, donc nous allons entrer dans la troisième année législative, nous avons gagné ça nous relayer un rapport d'étape. Et le rapport d'étape, ça n'a pas évité la presse, n'a pas évité Pacifique, pour Chita, pour venir dans des rapports d'étape, là, ça n'a pas c'est dit nous allons dire pays, qui est-ce nous rencontrer et qui ça y a pensé. Et puis ensuite, c'est le grand jour où va venir le rapport avec nos propositions de recommandations. Ceci dit, même après 29 mars 2018, le processus a continué. Parce que le rapport, ça, nous allons faire une tournée nationale. Côté, nous allons faire des restitutions par commune. Nous allons rencontrer Kazakh, Azek, Notabio. Et au même tout,
y a bien droit de citer, il y a bien pour dire un mot sur rapport que a recevoir avant que nous arrivions vers eux-mêmes. Donc sous garder bien Robinson, nous font exercice historique qui pas jamais fait. Tu toujours gain amendement, c'est toujours initiative exécutive. Fois ça, législatif là à travers chambre des députés après un leadership une initiative. Société à suivre, nous très contents et n'a continuer faire dans la transparence et en demandant au secteur de toujours nous accompagner. Là nous venons la caillou pour recevoir nous continuer parler avec nous j'ai appelé là. Merci pour disponibilité ouais monsieur Interview. Merci Robinson, longue vie à interview et me félicite pour mon travail à faire dans la presse haïtienne. Merci. Merci tout le monde, rendez-vous pour notre émission Interview toujours sur télévision Pacifique chaîne 5.